Alors, on continue avec le oblique chop. C'est un exercice, encore une fois, pour les abdominaux, principalement pour les obliques, mais ça travaille les abdominaux dans leur entier. Donc, on peut le faire avec ou sans poids. Couché sur le dos, bascule le bassin, écrase le bas du dos au sol. On soulève les jambes avec un beau 90 degrés ici, bascule le bassin, OK? Ici, hop, on va aller sur le côté, hop, et l'autre côté. En haut, côté, en haut, côté. Avec le poids, et si on va ajouter la difficulté, il y a le poids, mais aussi le fait qu'on peut garder les épaules complètement soulevées du sol, c'est-à-dire qu'on n'ira pas aussi loin en arrière. Je vous le montre ici. Comme ça, je décolle les épaules, côté, hop, je reviens ici, côté, côté. Ça va travailler très, très bien. Hop. Et voilà. C'est fait.